Regardez. Wesh, là le son il marche pas. Là. Bon, attendez. Je tiens donc réellement trop dieu. Écoutez. Vers la définition, le terme applicable au Saint-Esprit et au Fils, à savoir Dieu, est-ce que le prof numériquement de Dieu de non. Non, non, pour la simple et bonne raison que si on devait... Regardez bien, il pose la question, la première question qu'il pose, hein, il dit non, non. Il commence comme ça, non, non. Pourtant, ça va être la même question après. Donc, il répond non, non. Ah, oh, pourquoi quand je fais pause, ça enlève le son? Attends, je fais plus pause. Est-ce que, lorsque l'on considère la définition, le terme applicable au Saint-Esprit et au Fils, à savoir Dieu, est-ce que l'on compte numériquement de Dieu? De non. Non, non, pour la simple et bonne raison que si on devait compter numériquement, justement, qu'il y ait deux dieux, comme tu le dis, ça voudrait dire qu'on compte l'essence, étant donné que ce n'est pas relativement à leur hypostase qu'ils sont dieux, mais relativement à l'essence qui est une. Par contre, quand on dit que le Père est Dieu, c'est relativement non seulement, justement, si dans un sens on entend par qu'il est possesseur de l'essence divine, il est la source de l'essence divine, c'est la définition équivalente à celle qu'on donne pour le Fils. Ça veut dire quoi et être Dieu pour le Fils et pour le Saint-Esprit? Être Dieu pour le Fils et pour le Saint-Esprit, c'est qu'il possède l'essence divine. Ok, il y a combien de possesseurs de l'essence divine? Il y a trois personnes, bien sûr. Ok, donc? Ah donc? Il y a trois personnes. Enfin, il y a trois personnes qui possèdent l'essence divine. Oui, okay. C'est ça la définition d'être Dieu. C'est pas la définition d'être Dieu pour le Fils et pour le Saint-Esprit. Telle qu'elle est communément entendue, mais la définition d'être. Pour le Fils et le Saint-Esprit, oui, c'est qu'ils sont possesseurs de l'essence divine. Ok, le Fils et le Saint-Esprit sont distincts. Bien évidemment. Ok, le Fils et le Saint-Esprit possèdent l'essence divine. Bien sûr. Il y a deux possédant l'essence divine. Bien sûr. On a convenu que possédant l'essence divine, ça signifiait être Dieu. Il y a deux dieux. Non, c'est pas qu'on a convenu quand. Enfin, s'il y a des définitions. Je veux dire, non, absolument pas. J'ai introduit deux définitions de. C'est la question. Ah, mais pas grave. Attends, j'ai introduit deux définitions d'être Dieu, d'accord? La première définition, c'est celle qu'on entend tous communément, c'est la définition générique, pour nous, d'accord? C'est-à-dire, on va dire, c'est celui qui est assez, celui qui est indépendant, qui ne dépend de rien, etc. Ça, c'est le point, d'accord? Cette définition, elle est applicable en vertu de son identité hypostatique. Par contre, pour le Fils et le Saint-Esprit, ils n'ont pas, on va dire, cette définition-là d'être Dieu. Ils ont la définition seconde, celle que... Ah, je sais, moi. Moi, la question... D'accord. C'est parce que là, ça va être circulaire, en fait. Tu vas poser la question, il va apporter la même réponse, mais on va juste les reformuler différemment. Ouais, mais en tout cas, est-ce que tu as dit tout à l'heure que être Dieu, c'est ayant l'essence divine? Signifie... Non, dans la deuxième définition, oui, mais dans la première, non. Ouais, mais j'ai parlé que de la deuxième définition, d'ailleurs. Dans la deuxième définition, oui. Donc, je sais pas pourquoi tu reviens au père, je sais pas si on exclut le père de l'opération. Si on exclut le père de l'opération, le sens que toi tu veux justement attribuer au Fils et au Saint-Esprit, il n'est pas applicable. C'est pour ça que je ne comprends pas ce point. Écoutez, là c'est important. Moi je te dis, exclut le père de l'opération. Oui. Est-ce que tu conviens que la définition de Dieu pour le Fils et le Saint-Esprit, c'est possédant l'essence divine ou ayant l'essence divine? Pour le Fils et le Saint-Esprit, oui. Maintenant tu viens te contredire deux fois. Tout à l'heure, tu m'as dit non, non, tu viens de me dire oui. Vas-y, dis-moi pourquoi je me suis contredit. Parce que je t'ai posé la question tout à l'heure. Tu m'avais dit au premier abord. Après, je t'ai dit la résultante de ça, c'est que il y a deux dieux. Je t'ai posé la question. Je t'ai dit, on a convenu tout à l'heure que être Dieu, ça signifie possédant l'essence divine. Tu m'as dit non, on n'a pas convenu à ça. Quand est-ce qu'on a convenu à ça? Et là, tu me redis que oui, être Dieu, c'est possédant l'essence divine. D'accord. Sauf que tu as dû préciser. Qu'on parle pour le Fils et Saint-Esprit. Oui, je l'ai précisé. D'accord, donc on parle pour le Fils et le Saint-Esprit, donc on exclut, j'exclus de mon système théologique le Père, ce qui est bien évidemment impossible, mais pour l'exercice de pensée, je l'exclus de notre système théologique. Et donc oui, bien sûr, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu en vertu de leur essence, bien sûr. Et si tu entends par Dieu, et je n'aurais aucun mal à l'admettre, hein, si tu entends par Dieu, parce que tu veux jouer sur la confusion des termes... Ok, attends, est-ce que si l'on entend par Dieu, possédant l'essence divine, il y a deux dieux, à savoir le Fils et le Saint. Ah oui, totalement, bien sûr. Ok, merci. Non, mais moi je n'ai pas honte de la Trinité, je suis trinitaire, je ne suis pas... Oui, totalement. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée.
c'est ma religion, c'est ma théologie. Enfin, c'est pas. Enfin, quelqu'un qui n'a pas honte de sa religion, on l'admettra, bien sûr. Il y a pas, ok, parfait. Bah, c'était la question que je voulais poser. Ok. T'as eu ta réponse ? Juste un récapitulatif, si on entend par Dieu, possédant l'essence divine, ouais. La théologie orthodoxe affirme qu'il y a deux dieux, à savoir le Fils et le Saint-Esprit, et un Dieu, le Père. Effectivement, si tu, par Dieu, on va dire le référent du terme Dieu qui est employé sur les terres pour personne humain à l'essence, oui, bien sûr. Je te dirais même qu'il y a trois dieux. Si ça se réfère à la personne humain à l'essence, et en vertu de la définition que nous avons introduite, oui, c'est pas de problème. Ok, c'est bon, merci. Je t'en prie. Est-ce que... Quand je vous dis que... Oui. Écoutez bien, ça c'est le meilleur en métaphysique. Ça veut dire que sur les contradictions, incohérences, etc., il va être le meilleur de tous les chrétiens que vous allez voir un petit peu, si vous voulez, dans les débats interreligieux. Et lui, il va te dire, oui, il y a trois dieux. Oui. Mais à quel moment, Abraham, Jésus, les apôtres, tous les prophètes, ils avaient cette croyance-là de trois dieux en un. Jamais. Trois dieux. Avec une seule essence, c'est où ça? Mais trois jours. Eh, il y a marqué quoi? Ah, les gars, s'il vous plaît. Hein. Regardez. Ouais. Pour vous dire que là, Jésus, au jour du jugement, Jésus, au jour du jugement, il va être contre eux, mais d'une puissance. Regardez. Hein. Matthieu 4, verset 10. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous savez que seul ici, en grec ici, mono, donc en gros monos, donc en gros monothéiste, le mono ici, il n'existe pas en fait dans le texte de Deutéronome 6.13. C'est Jésus qui le rajoute. Tu craindras ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Il n'y a pas seul. Il n'y a pas le mot seul. Ouais, ok, j'arrive. Il n'y a pas le mot seul. Donc ça veut dire que Jésus, il va rajouter le mot seul pour te faire comprendre, tu dois adorer lui là, seul. Oui, il a vu que les autres, ils n'avaient pas trop compris, tu vois. Et il leur a rajouté ça. Il leur a rajouté au cas où il y a une ambiguïté. Non, seul. Regarde, là, pareil. Jean 17, 3, la même chose. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La même chose en grec. Regardez en grec. On te dit, pareil, monon, aletinon, bonbonos, aletinos, théos. Le seul vrai Dieu, le seul, c'est qui le seul vrai Dieu? Verset 1. Jésus, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, t'es lui là, le Père là, c'est le seul Dieu. Donc quand il te dit de l'adorer lui seul, il te dit d'adorer le Père seul, c'est toi le seul vrai Dieu. Est-ce qu'on peut dire que tu es seul, mais en même temps tu es plusieurs, non? Ouais. Subhanallah. Frère, c'est grave. Ça veut dire que lui, il vient. Ça veut dire, t'as vu, quand Jésus il dit, ouais, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Lui va te dire, comment ça, le seul? Non. Trois. En un. Trois. Toi, le Saint-Esprit et le Père. c'est des ouf. Zeus, Jupiter, Hercule, Hadès, tout ça, c'est là-dedans. Là. Non, ça baigne dans le polythéisme, ça baigne dans là-dedans, c'est clair et net. C'est certain même. C'est grave. Là, ils se sont fait avoir, vraiment, ils se sont fait avoir de fou. Par cela, là, par les polythéistes. Oula. T'imagines. Quand même, ils screen Jésus. Oula, c'est vraiment grave ce qu'ils lui attribuent. Ils le font passer pour le plus grand mouchérique, ces bâtards. Jésus, à aucun moment, il a dit « Je suis ». Et eux, ils le font passer pour le plus grand des mouchés, les frères. Ils vont souffrir de ouf quand il va revenir. Il a rien demandé à tout ça. À eux, ils attribuent des choses. Voilà, quand il va les frapper. Il va les attraper, il va leur dire, mais quand est-ce que moi je dis ça? Tu me fais porter des paroles que je n'ai pas dites. Montre-moi aussi que je t'ai dit ça. Quand? Où? Est-ce que les apôtres ils t'ont dit ça? Est-ce que mes compagnons t'ont dit ça? Mais Jésus, tu n'as pas dit. Moi et le Père, nous sommes un. Purée, t'es Dieu là à ce moment-là. Oui, mais Paul, dans 2 Corinthiens 6, 20, il n'a pas dit que l'homme et la prostituée faisaient un aussi. Tu n'as pas compris? Ah,
Astre de pif. C'est trop. Voilà. Bon, les frères, en tout cas, ça a été un plaisir. Allez. Vous allez manger. Pour la musique tous. Bon appétit. Vas-y, passe des spies sur Discord. Vas-y, vas-y. Bah, juste, je mange 5 minutes. Ahmed, je vais juste manger en 2-2. Et après, vas-y, je t'appelle, c'est bon. Vas-y, vas-y. C'est bon, mon ref. Non, explique-moi en rapide la différence entre les modalistes et les trinitaires. En gros, les trinitaires, ils vont te dire qu'il y a 3 hypostases, mais une seule essence divine. Ok, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Mais les modalistes, ils vont te dire que ici, Dieu, il s'est révélé sous 3 modes de manifestation. 3 modes. Donc, ils vont te dire que le Père, c'est le Fils. Le Fils, c'est le Père. Le Saint-Esprit, c'est le Père et le Père, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand Jésus, par exemple, il va dire « Je suis le Fils de Dieu », ben ici, il veut dire que je suis le Père, en gros. C'est ça, la croyance modaliste. Bon, vas-y, les frères. Et sœurs, du coup. Ah, putain.